Bonjour chers amis de YouTube, bonjour chers internautes et bienvenue dans ce nouveau Let's Play sur Astral Chain. Nous sommes toujours dans le monde astral et là nous allons nous occuper de ce gros œuf d'homoncule qui nous attend. Et ensuite espérons peut-être attraper Jenna. Let's go! On repart sur un petit... On va dire un petit labyrinthe, dira-t-on. Non, non, viens par là. C'est pas à toi de faire ça, mon gars. J'ai la chimère parfaite pour ça. Allez, prépare-toi ma jolie, c'est ton heure. Oh. Qu'est-ce que nous dit l'iris? Oh, mais ça nous pond des homonculus, ça appelle. Et attends, il y avait un code. Caméra toujours aux fraises. Ah! Je me fais engluer. Si tu pouvais attaquer, Ghislain. Allez, viens vite. Si tu pouvais. Non, pas là, pas là, pas là, pas là, là, là. Là, va falloir que tu mettes sur les mini-homonculus, mon pote, parce que ça va être compliqué. Ah putain de sa race! Tu viens m'aider? Merci. Fais-lui un max de dégâts, ce foutu œuf là. Et voilà, on l'a eu. Oui, avant que tu me téléportes, j'aimerais bien récupérer les codes, tous les codes de... On dirait que cet œuf est cuit, hein. On partira dès qu'Akira sera là. J'enverrai un hélico à la recherche dès que tu seras revenu sur l'arche. Fais vite, ok? Ouais, ok. C'est bien gentil, Ghislaine, mais... Je regarde si j'ai rien oublié.
Allons sur l'arche. Est fatigué, papy? Oh. Comme c'était surprenant, Jane. Ça faisait bien longtemps, Yosef. Jenna, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi? Tu le sais très bien. Tu m'as enlevé mes enfants, enfoiré. Pour mettre un terme à ce projet déraisonnable que tu poursuis, c'est toi qui es déraisonnable. Non, nous pouvons gagner. Nous avons un avenir tel que nous sommes. Accroche-toi donc à ta misérable enveloppe, mais laisse le reste d'entre nous évoluer. Il n'y a que moi qui puisse sauver l'humanité. Ok, ils sont pas d'accord. Apparemment, discutons, il ne mènera à rien. Lui, il veut qu'on se transforme en chimère. Elle, elle veut qu'on reste comme on est. Là, je vous l'avais dit. Et c'était pas vraiment elle, la méchante. Attendez, c'est de l'Evolvine bleue. Ah, c'était ça qui lui permettait d'être dans cet état-là. Tu n'en tireras pas comme ça. Le truc, en fait, c'est que... Il parle d'évoluer. Et elle parle de rester comme ils sont. Mais c'est elle qui se transforme en... monstre. Entre guillemets. Et c'est lui qui... Au final, essaye de garder les humains. C'est assez complexe comme situation. Mais on va devoir employer la manie. Tu n'as donc toujours pas compris. Je commence à comprendre. Bien, tant pis. Je m'occuperai de lui une fois que ton salut sera accompli. Là, ça va être un combat hardcore, les amis. Ça va être un combat hardcore. Ouh, qu'elle est rapide, la garce. Oh, on peut faire des grosses attaques. Ouh, la garce. Ouh. J'ai intérêt de bien neuf. Ok. Ah, garce. Ouh, ouh, ouh. La vache. Non, bouge. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. Elle est très 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 forte. Ah merde, je me suis fait avoir. Mais putain de décor de merde. J'ai pris la chimère arc exprès pour me régène.
après, c'est que si tu la fais au corps à corps, ça va, elle est simple. De toute façon, elle est bientôt low life. Il est temps pour nous, vieux frère, de se la faire, la gourdasse. Voilà. Tu dois l'admettre, je suis impressionné. Et bah tant mieux. Je suis déjà allé trop loin pour me laisser m'arrêter maintenant. Oh bordel. La drogue est dangereuse pour la santé à consommer. À ne jamais consommer. J'ai plus le choix, j'espère ne pas avoir besoin d'en arriver là. Ça n'a pas été tes problèmes de peau. Bah tiens. Akira va être là, c'est ça? Ou alors, Max arrive pour m'aider à lui botter le cul avec une toute nouvelle chimère. Ne bouge pas. N'essaie pas de m'arrêter. Qu'est-ce qui t'arrive à ta voix, Ghislaine? Au revoir. Oh la vache. Ah! Suis-je au paradis? Un verre de rhum et un cigare pour moi, s'il vous plaît. Ouf, tu as bien. Bravo, Brenda. Je n'y suis pour rien. Il est juste incroyablement résistant. Si tu savais. Ce n'est qu'une question de temps avant que Jenna ne rattrape l'hélicoptère du commandant. Tu dois l'arrêter. Une mission en véhicule? Mais on n'avait plus d'autres hélicoptères. Il y a une moto en bas, il faudra s'en contenter. Ah ouais. Une nouvelle mission en véhicule. Et je présume qu'il n'y a aucune quête annexe. Non. Là, tu rushes le jeu. Par contre, il y a une sorte de... Comment dire? Il y a une sorte de dépôt rouge sur le... Sur tout, en fait. Sur toutes les surfaces, il y a une sorte de dépôt rouge, même sur les... personnage un petit peu, on voit une sorte de pixel, des pixels rouges. Ça doit être la propagation du, enfin, la fusion des deux mondes, je sais pas trop comment dire ça. Much of the police. Oui. Allons-y, let's go. Moi j'aurais peut-être pu améliorer mes armes. Bon, tant pis, c'est pas... On va dire, je me sers plus de mes chimères que de mes armes. J'avoue que Jenna au corps à corps aurait été très très dur. Parce qu'elle enchaîne les attaques soit distance soit de près. Donc faut les esquiver, faut mieux attaquer au corps à corps. C'est le bordel un peu partout. L'hélicoptère commandant est attaqué. Je ne crois pas que nous tiendrons jusqu'au bâtiment de l'Union. Ah, t'inquiète, Frangine, j'arrive. Comment on esquive déjà? Je m'en rappelle plus. Ah, je m'en rappelle plus comment on esquive. Ah, voilà. C'est cool, c'est que cette fois en moto, je peux utiliser mes chimères. Ah! Bah attends. Autant que je garde elle avec moi, elle me redonne de la vie à chaque seconde.
Elle est où la garce? Voilà. Ouf. Et ce que je comprends pas, c'est que les chimères t'attaquent. Alors que bon. Jenna est un ennemi pour elle. Ouh, la grosse bestiale. C'est tellement pas compliqué de rajouter des gameplays différents dans un jeu narratif. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Bordel! Non, un boss. Krios. Waouh, waouh, waouh. Alors attends, parce que moi je veux bien, mec, mais. Ouf! Éjecté de la moto. Pfiou! Ça aurait été un peu complexe. Par contre, j'ai plus beaucoup de cœur, ni de soins d'ailleurs. Là, on arrive vraiment dans le noyau dur du jeu. Nouvelle affaire disponible, actualisation. Ah, bah ça y est, j'arrive. Tout est fini, Joseph. Allez, attention, la cavalerie est arrivée. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Waouh! Quelle pleureuse cette Akira. Le moment est extrêmement classe. Elle a lâché du coup le petit Joseph. Non mais. On va te montrer qui c'est qui commande. Bonjour pour remettre la ville en œuvre après tout ça, hein, bordel. Il va y avoir du boulot. Vous n'entendrez donc jamais, pauvres idiots.
c'est 9. Allez, niveau 9. Je crois que ma... Tant mourir, tant pis pour vous. Ouh là là, elle, tu peux l'avoir que à distance, hein. De toute façon, elle est dans les airs. Là, ça va être un combat très très long. Accrochez-vous, chers internautes, parce que ça va être très très long. Elle fait extrêmement mal et j'ai très 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 peu. Ouais, j'ai énormément de canettes vides. Mais j'ai plus de soins, hein. J'ai plus rien. Et je lui ai fait que dalle en dégâts. Esquive.
On l'a eu. On l'a eu. Enfin, je crois. Non, ce n'est pas possible. Mais j'en ai chié, Ghislaine, hein, je te le dis. Oh oh. Non. Mes pires craintes se sont réalisées. Je ne peux pas laisser Joseph s'en tirer ainsi. Je dois vous tuer d'abord. Mère indigne. Ah, reste avec nous, Jenna. Oh. Ben oui, mais ça, quand on avale un peu n'importe quoi, on malade. Ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer encore? En quoi va se transformer? Qu'est-ce que c'est? Viens pas m'aider, surtout, connasse. Hein. L'autre. Je vais vous protéger. Enfin, je crois que t'es limite moitié moins lourde que lui, donc. J'ai plus de soins. Allez, enchaînée. Oh, c'est trop classe. Mais elle est attachée. Oui, c'est magnifique. Je le sais. Lui, son but, c'est ça. Ouais, mais elle est attachée. Il est trop loin. Je n'ai pas moyen de grimper là-haut. Et quelqu'un doit assurer la sécurité du commandant. Bien reçu. Désolé. Il n'y a que toi qui puisse arrêter Jenna. Vous pouvez pas m'envoyer des soins. Et on se retrouve demain pour le combat contre Jenna, qui je pense doit être le combat final. Parce que là le montage va être ouf. Donc on s'arrête là. N'en voulez pas. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé quand même. Partagez cette vidéo en masse parce que la fin de Astral Chain arrive bientôt. Commentez aussi pour dire ce que vous en avez pensé. Forcément, ça m'aidera un petit peu à m'améliorer. C'était Méric, toujours les internautes.